Et looping, salut à tous les Galax, bien aujourd'hui sur Spider-Man 2, je suis content de vous retrouver avec Miles Morales pour la suite de nos quêtes secondaires. Et alors vraiment, le balancement dans le jeu, je l'ai amélioré à fond là, c'est un truc de fou. Vraiment, regardez ce que je peux faire, alors hormis le looping, je peux également, quand je me balance comme ceci, aller rapidement à droite ou à gauche. Voilà, tu prends les virages à la vitesse de l'éclair, c'est hyper agréable. Vraiment, je vous le refais. Hop là, tu vois, tu peux aller à gauche, à droite, c'est trop trop bien. Bref. J'adore le jeu, vraiment, je pense que c'est l'un de mes préférés de l'année, si ce n'est mon GOTY honnêtement. C'est jamais évident de donner son jeu de l'année, hein. Surtout quand il y a beaucoup de jeux. Sincèrement, là on a eu Super Mario Bros. Wonder qui est vraiment génial, même si c'est très différent, hein. Mais ce nouveau Mario, il est incroyable. On a également Alan Wake 2 qui est sorti hier, bref, tellement de jeux. Allez, alors apparemment il faut récupérer le sac. Au niveau de la mission, les amis, aujourd'hui on fait le forum de Brooklyn Vision avec Miles. Arrivé à temps au forum des clubs du lycée. Allons-y. Bon, je pense que c'est une mission à la cool. Vous remarquerez que j'ai changé de costume. Alors à la base, il est noir, il est plus sombre. Là j'ai mis une variante, avec une cape blanche. Je trouve que ça lui va super bien. Enfin, ça lui allait bien. Avant qu'il l'enlève. Hey Miles, ça va? Hey, je suis content de te voir. J'arrive pas à croire que Monsieur Atlas va venir ici à BV. Peut-être que s'il aime bien mes sons, ben, je pourrais même décrocher une bourse d'études. Morales, t'as bonne mine. Merci. Toi aussi. Oh, toi, tu aimes pécho. Eh, les mecs, je peux jouer? Envoie le ballon. Tu vas voir un peu ce que ça fait une araignée. Je saute du milieu et je marque un dunk. Alors, faut rejoindre nos deux amis apparemment. La bonne ambiance. Hey Max, par ici. Hey. Te voilà. Merci. J'aimerais beaucoup lui parler de son programme de physique numérique. On a eu votre signalement de disparition il y a 30 minutes. Que s'est-il passé? Justement, on n'en sait rien. Elle allait chercher quelque chose dans sa voiture et... J'ai entendu que deux mots, signalement et disparition, donc je dirais que oui. Va voir. On va garder ta place. Merci. Merci les amis. Je dois me rapprocher de la principale. Je vais peut-être en apprendre plus. Faut trouver un moyen, ouais, t'es bien gentil toi. Alors admettons, si je fais le tour par là... Oh... Peut-être se faufiler? Eh oui, bien sûr. En tout cas, les amis, j'en ai profité hier soir. C'est la première soirée où j'ai un peu plus de temps pour faire du secondaire. Et j'ai fait beaucoup de choses dans le monde ouvert qui sont pas forcément intéressantes, tu vois, à montrer en vidéo. Et je suis à plus de 70%. Ça avance. Tiens, tiens. Rien à part des notifications de son application de fitness qui continue de compter ses pas. Elle peut être n'importe où. Les élèves adorent Madame Ferguson. Trouvez-la, je vous en prie. On fera de notre mieux. Madame Ferguson a disparu? Oh non. Apparemment, elle porte encore sa montre connectée. Je me demande si je peux choper le signal. Alors... Voyons voir où se trouve ce capteur d'activité. Dernier emplacement connu, Dawson Harbor. Mais ce costume est magnifique. Vraiment. Alors, cherche un signal. Début je l'ai. De l'appel en synthèse vocale avec Ellie Cooper. Miles, Monsieur Atlas vient d'arriver. Tu seras là quand? Oh, la poisse. Je dois trouver Madame Ferguson d'abord. J'arrive dès que je peux. Il distribue les dossiers de demande de bourse. Oh. Est-ce que tu peux en prendre un pour moi? Je vais faire mieux que ça. Je t'ai envoyé un lien. Oh, merci. Bonne chance. Et dépêche-toi. Hey, salut, Max. Ouais, Ganky, ça peut attendre? Pas vraiment. Monsieur Atlas est ici. Je lui ai dit que tu pouvais pas assister au forum parce que tu fais du bénévolat. Il a demandé à te parler au téléphone. Est-ce que tu es en capacité de le prendre? Merci, Ganky.
c'est vraiment pas le bon moment. Monsieur Atlas, je vous le passe. Je sais que vous avez un vol à prendre. Conky. Allô, Miles? Oui. Allô? Vous chuchotez. Je vous dérange? Désolé, je dois y aller. Je vous rappelle. Où on s'écrit? Ça aurait pu se passer mieux. J'aurais peut-être le temps de croiser Monsieur Atlas si je retourne à BV en vitesse. Pour clarifier des trucs. Très bien. Maintenant que je me suis débarrassé de ces types, on va voir où conduit le signal du capteur. Comment ça, ça aurait pu se passer mieux? J'ai même pas été touché. Alors. Ah oui, tu veux dire que j'aurais pu y aller doucement? Bon. Oh, elle est là. Cette vitre a pas l'air trop résistante. Je vous libère. Vous n'avez rien. Oui, ça va. Mais qui sont ces gens? Comment ils ont su que je travaillais pour Rand? On tirera ça au clair quand cette prise d'otage sera terminée. On a une araignée à écraser. C'est mort, Spider-Man. Elle reste ici. Cachez-vous. Moi, je m'occupe d'eux. Et c'est reparti. Hop là. Oh là là, tellement puissant. Oh, pour un peu, j'ai les compétences à fond. Hein. J'ai vraiment tout amélioré. Là, on peut pas être plus fort. Enfin, si, parce qu'on peut toujours améliorer les gadgets et tout, mais... au niveau des compétences avec Miles, j'ai tout. Ok, des costauds qui arrivent. Venez par ici. Tu les amènes tous, c'est trop marrant. Hop là. Eh, mon gros. Hop là. Je les retourne comme des crêpes. Tellement bien. Normalement, j'ai également mon super. Hein. Mais bon, vu qu'il n'y a plus qu'un petit gars. Ah non, c'est un gros gars. Attention. Hop là. Le point. Finish. J'en crois pas mes yeux. Tu les as éliminés à toi tout seul? Ça fait partie du boulot. On se met en route. Ne me dis pas que t'as l'intention de me porter? Bien sûr. J'ai déjà porté des gens. D'accord, du moment que tu me confirmes oralement que si je te vomis dessus, tu porteras pas plainte. Vous avez ma parole. Mais essayez de me prévenir quand même. Ah, j'ai l'impression que je peux pas utiliser le virage. Quand je porte quelqu'un, par contre. En même temps, il est moins flex, normal. Grâce à Spider-Man, notre chère professeure Madame Ferguson est de retour parmi nous, saine et sauve. En gage de gratitude, j'ai l'insigne honneur de déclarer Spider-Man héros officiel de Brooklyn Visions. Vous serez toujours le bienvenu, Spider-Man. Merci. À présent, au quadruplex, nous avons une démonstration de robotique à faire. Ça laisse peu de temps. Bonjour, Miles. Cet entretien compte manifestement pour vous, mais j'ai senti que vous étiez préoccupé par quelque chose. Monsieur Sinclair a appuyé votre candidature et votre principal aussi. Donc, je vous propose un rendez-vous cette semaine, en personne. Il y a eu quelques requêtes via l'appli sur le campus de BV. J'ai préféré t'appeler. Ah, allez, on monte en XP, alors je vous l'ai pas dit, mais regardez, là je suis actuellement, enfin si je vous l'ai dit, du coup j'ai fait des choses de mon côté, je suis niveau 47, alors qu'hier j'étais niveau... bah 37 il me semble. J'ai pris 10 petits niveaux dans la soirée. Donc, apparemment il y a des requêtes, il y a des choses à faire. Ah... attendez, je reviens par là. On va voir ce que je dois faire. Pour commencer. Quelqu'un a besoin d'un speeder coup de main, on dirait. Ouais, j'avais tout préparé. Les indices, les écrans, les visuels, les gens, chaque détail devait être au poil. Oh, relax, ça va aller. On peut la refaire calmement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok. Je voulais inviter quelqu'un au bal des anciens, mais... il est... spécial. Je peux pas lui faire le coup des fleurs ou du chocolat. J'ai prévu des écrans, et je veux faire apparaître un message dessus. Sauf que le générateur est HS. Et en plus de ça, le gars qui me l'a loué répond pas. Bonjour, l'arnaque. Je peux vous aider? Merci!
J'ai loué le générateur chez Reynolds et compagnie. Je vais t'envoyer l'adresse. Je vais voir. Eh oui, je peux t'aider parce que je suis électrique, mais ça tu ne le sais pas. Je me suis mangé le poteau. Et normalement, alors vu que j'ai progressé les amis dans les quartiers, si tout va bien maintenant, je peux me téléporter où je veux. Bon là, c'est pas loin. Pas besoin, mais voilà. Hop là, le virage. Oh, j'adore tellement les virages comme ça, c'est tellement bien. Les générateurs, ça rapporte de plus en plus de thunes. On prend celui-là. Est-ce que c'est clair ? C'est pas ce que j'appelle une location ordinaire. Hé, hey, Musclor. Attention. Le gros, pas confiance. Soulèvement. Oh là là. Quelle vitesse, quel réflexe. Chute trop fort. On peut en faire deux fois, tu vois. On peut doubler les compétences. Oh, je les ai rapprochés. Ces types ont eu leur compte. Je devrais aller voir le vendeur. Merci, Spider-Man. Pas de problème. Votre client m'a demandé d'enquêter sur un retard de livraison. Je crois que tout s'explique. Ouais, et justement, j'adorerais livrer cet appareil, mais ces abrutis l'ont bien endommagé. Si jamais c'est réparable, ça prendra plusieurs semaines. Vous pouvez aller annoncer la mauvaise nouvelle ? Ça marche. Je vais annoncer la mauvaise nouvelle à Vijay. Dis-moi que tout va bien. Pas vraiment. Le générateur est mort. Attends. Ok. Je suis pas encore à quantité. Reviens me voir. J'ai quelque chose d'autre à te proposer. Et atterrissage. C'est encore plus bas. Ah, je sens le coup que je vais devoir alimenter ce truc. Vu que le générateur est HS, est-ce que BV en aurait un de rechange ? Je sais qu'ils ont des générateurs sur le toit, mais ils sont trop puissants pour mon installation. On ferait sauter les plans. À moins qu'on trouve un truc moins puissant. Je devrais pouvoir dévier cette fréquence basse tension. Et comme ça, tes pouvoirs électriques feraient le reste du travail. En théorie. On peut tenter le coup. Ouh, un court-circuit. Je connais quelqu'un qui aurait adoré cette blague. Alors, trouver une source électrique sur le toit. Bien sûr. Va pas trop loin. Alors, admettons. Attendez. Source électrique. Eh ben voilà. C'était sûr. J'ai un générateur, mais il est pas activé. Tu vois ? Ça devrait marcher nickel ! Tu veux bien lui donner un de tes... électrochocs ? J'ai la tension qu'il faut. On n'a plus qu'à l'acheminer jusqu'au rez-de-chaussée. Oui ! Je savais que tu arriverais ! Et si je connectais ces nœuds d'alimentation ? C'est ce que je dois faire depuis le début, mais le jeu est trop lent. Ok, ensuite... On l'amène là. Le courant semble transiter par un vieux circuit. Alors attendez, ouais... Je vois le passage, donc ça descend, on va suivre. Hein. Ça descend jusque là. Pas bien compliqué. Nom de Dieu. Faut juste rester à peu près... À peu près où il faut, quoi. Attends, je vais me caser. Mais pas si loin. Mais calme-toi, t'es énervé. Oui, mais comment on fait, du coup? Attendez, on se pose au sol, hein, parce que bonjour. Admettons. Là. Ici. Ah, yes. Voilà. Je devrais peut-être faire carrière dans l'électricité. Eh ouais, en tant qu'électricien, peut-être. Zut, c'était un peu plus haut. Ça va où? Ah, ça va en dessous, ok. Voilà, ce que j'avais vu tout à l'heure. Normalement. Et ici. Voilà. Un milliard de merci. Peut-être que tu devrais te faire appeler l'araignée super électrique. Merci. Je vais rester sur Spider-Man. Oh, j'ai reçu un texto. Il va arriver. T'en vas pas tout de suite. J'ai peut-être encore besoin de ton aide. Planque-toi. Vijay m'envoie un texto. Quoi ? Un tableau ? Ah, Vijay, qu'est-ce que tu magouilles ? Oh.
Attends un peu. C'est l'équation sur laquelle il m'a aidé à notre premier rendez-vous. Pour réviser. Un demi-rendez-vous. Psst, Spider-Man, c'est le premier indice. Tu peux le faire basculer. Ok, bon, bah, je vais aller par là. Ok, c'est quoi la suite? C'est le film qu'on a vu la première fois qu'on s'est embrassé. L'appareil dentaire, le baume à lèvres, la totale. Mais bon, c'était le meilleur baiser du monde. Spider-Man, le poster est coincé. Tu veux bien le tirer? BJ doit pas être bien loin. Ça va être le moment du final. Assieds-toi et prends du pop-corn. Vijay, toute cette mise en scène, ça te ressemble tellement. J'ai toujours su que t'étais pas comme les autres. Et j'ai de la chance que tu sois avec moi. Je t'aime, Lucas. Est-ce que tu veux... Le bas? Pas exactement. Oh non, je dois pouvoir faire un truc pour arranger ça. Faut que j'utilise ma chaîne électrique. Le bal des anciens? Oh, Vijay, bien sûr. En mode blouson à paillettes? Carrément! Ouh, c'était moins une. Spider-Man! Descends, que je te remercie comme il se doit! Merci d'avoir rendu ça possible. La vache! T'as fait participer Spider-Man! C'est le plus beau jour de ma vie! Toujours au service de l'amour. Je suis content pour vous. Profitez bien de la fête! C'est mignon. Bal des anciens terminé. Eh ben, une nouvelle belle action de la part de Spider-Man. Et on passe au niveau suivant. Niveau 48. Ah, cette pièce fabriquer les gadgets, ouais, très bien. Dis-moi, c'est pas encore fini. Non. J'attends la suite. Mais attendez, on met les points de compétence tant qu'on y est. Ah, tu me diras, il y en a plein que j'ai pas mis avec vous, hein. Regardez, Miles Morales, il y a tout. Par contre, côté... ouais, allez, je vais mettre celle-là un petit peu. J'avais qu'un seul point, non deux. Voilà. Morales aura 3 du côté Peter. Et du côté des deux, bah, il en reste encore énormément. J'espère que tous les niveaux qui me restent à pécho, c'est-à-dire 12 niveaux, il me semble que ça va jusqu'au niveau 60. Et bah, j'espère que ça va me permettre d'avoir absolument toutes les points de compétence. Normalement, oui, on peut tous les avoir, hein, les points de compétence dans le jeu. A priori, pour avoir ce vrai sentiment de puissance dans les jeux de super-héros, c'est quand même mieux de pouvoir tout prendre et de ne pas avoir à faire de choix. Bref, prochaine mission, s'il vous plaît, on l'a pas là actuellement. Hein. Ah bah si! Ah bah on y va! Mais fallait le dire! Attendez. C'est quoi? C'est aider à réaliser la meilleure vidéo de recrutement scolaire au monde. Perdu à... Je sais pas où. Ça doit pas être dur à trouver! Y'a pas une puce GPS sur ces trucs? Si. Sauf que celle-là, elle répond plus. Ce sera plus compliqué que prévu. Ok, j'arrive tout de suite. Je peux peut-être demander à Madame Nouniez si on peut le rendre plus tard. Oh non, elle n'acceptera jamais. Salut! Vous avez perdu un petit drone? Ouais, mais il est pas si petit que ça, c'est pas un jouet. En fait, j'étais en train de m'en servir pour faire des plans aériens pour un devoir important. J'irai bien le chercher moi-même, mais il a cessé d'émettre à partir de... 91 mètres X et 42 mètres Y. C'est le bâtiment nord-est. Est-ce que vous pourriez m'aider? On doit rendre nos devoirs pour vendredi. Ah, c'est vrai. Attendez, vous êtes au courant de ça? Je bouge pas mal. J'entends des tas de choses, tu sais. Je suis Spider-Man. Oh, ouais, ok. Donc, vous penserez à regarder? Je m'en charge. Énorme. Je pense qu'elle aurait pu griller que c'est un élève. Allez voir le grand immeuble, yes. J'ai emplacement? Bien évidemment. Allez, projection, wouh! Tellement cool. C'est tout là-haut. Hop là, j'y arrive direct. Eh, t'as vu un petit peu ce boss? Alors, si je scanne comme ça... J'entends un bruit. Le voilà. Ah.
Hey, les données sont perdues. La caméra s'allume pas, mais il redémarre. Je m'en doutais. Merci quand même. Dites, tant que vous êtes là-haut, vous pourriez nous prendre une photo du campus ? Ça doit être faisable. Une prise de vue de la passerelle depuis le toit. Vous pourriez faire ça ? Alors, prendre une photo du campus de Brooklyn. Ah, le voilà. Sujet flou ? Attends, il faut un plan plus large ? Ouais, apparemment. Je pense qu'il faut se rapprocher, hein. Pourtant, eh ben non. Ces instructions pour prendre la photo étaient précises. Eh ben oui. Si, si, non, c'était bien là. J'ai rien dit, c'est juste que je prends pas comme il faut. Ah. Aucun sujet en vue. Eh ben voilà. C'était juste en dessous. Impeccable. Parfait. Regardez-moi cette composition. Et cette lumière. Vous avez l'œil d'un vrai photographe. On peut en faire une ou deux autres ? Prenez une photo depuis les deux autres grands immeubles du campus et ça devrait le faire. Ok. Trouver les grands bâtiments, prendre quelques photos. Ouais, je peux le faire. D'où le nom de la mission. Attends, mais faut trouver les bâtiments ? D'accord, celui qui est là-bas et celui qui est là-bas. Bon, heureusement, c'est indiqué par le jeu, hein. C'est pas une carte au trésor non plus, faut pas déconner. Ah, mais d'ailleurs, attends, il y a plein de photos à faire, là. En dessous. Ah ouais. Il faut dire que c'est un quartier que j'ai pas encore fait à fond les ballons, hein. Alors, nouvelle photo. Voilà. Les bureaux de recrutement. Est-ce que ce projet fait partie de la vidéo de recrutement du club audiovisuel de cette année? Si cette photo donne pas envie aux nouveaux, je sais pas quoi faire de plus. Les élèves du campus vont adorer ça. Et maintenant, dernière photo. Admettons, je me mets là. Et ben voilà. Photo. La photo est super. C'est trop génial de manger là-bas. Ok, alors ensuite, j'avais oublié qu'il nous fallait 3 photos d'élèves dans leur routine quotidienne. Juste 3 clichés et on est bon. On voudrait photographier l'équipe d'e-sport, le club de drone et aussi la serre. Je me suis mangé une table. Donc alors attends. Je suppose que c'est là-haut. Ah mais d'accord, c'est ceux à l'intérieur, non ? Eh ben non. Ah ! D'accord. Épique. Ça sent le travail d'équipe et le frag à tout va. Je joue pas, perso. Ouais, on est quand même loin de la mission avec Carnage. Toutes les missions secondaires ne se valent pas, bien sûr. Alors, la photo, c'est au-dessus ? Ouais, c'est la serre. Allez. Et voilà. Oh. Le club de botanique représente vraiment l'avenir de Brooklyn Visions. C'est comme ça qu'on va guérir le monde. Et la prochaine photo, je sais pas où elle est par contre. Est-ce qu'on a l'info sur la carte ? Oui. Ah mais c'est ça en fait le petit logo photo qu'on avait. C'est pas les photos dans l'open world ? Ok, c'est les photos pour elle. Club de drones, enfin je pense. Ah oui, je vois les drones. Hop là. Faut que je sois en l'air ? Ah mais si. D'accord. Attends, moi je voulais prendre les drones en photo depuis tout à l'heure. Oh là là. Oh, belle photo des drones en action. Vous avez saisi leur mouvement à la perfection. Au fait, pendant que vous étiez là-haut, j'ai bricolé le drone. La caméra est toujours HS, mais au moins il vole encore. Un dernier service. C'est le dernier truc que je demande. Promis. On pourrait avoir un tour du campus depuis les airs. En un seul plan séquence. Retrouvez-nous sur le toit pour commencer la séquence. Ok. Je vais vous faire un truc sympa. Elle n'avait pas déjà dit que c'était le dernier truc Alors, c'est par là-bas. D'accord, monsieur. Oh non. Oh non. J'ai eu peur. Il y a peu de bugs dans le jeu, mais bon, faut aller chercher quand même. Je suis là. Vous pouvez vous balancer ou planer, mais en tout cas, ne touchez pas le sol. Un plan aérien, ça marche. C'est parti. Ok. Je reste dans le sillage. Enfin, tant que je peux. Bon, par contre, le vol, c'est pas limité, hein. Oh non, je me suis planté. Ce truc des pattes. De ouf. Allez, on se balance un petit peu. Oups, par là. Je vais plus haut que toi, mon ami. Donc on va le suivre, hein. Je sais pas si c'est long.
Et voilà. Exceptionnel. Vous êtes vraiment un magicien. C'était rien du tout. On a tout ce qu'il faut. Grâce à vous, cette vidéo de recrutement va vraiment avoir un impact. Je suppose que vous n'êtes pas dispo pour m'aider à faire 10 heures de montage? Je vais laisser le génie du cinéma gérer cette partie. Pour tout te dire, le montage, j'en ai un petit peu marre, actuellement. Je fais que ça, là, on a passé une semaine Spider-Man. Au bout d'un moment, laissez-moi me reposer un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Alors, apparemment, c'est pas terminé, il me semble. Attendez, j'ai vu un logo Brooklyn Vision, là. Ou alors, c'est juste que ça montre le bâtiment? Ouais. Alors, admettons. Eh ben non. Aider Lens, la mascotte, a retrouvé ses quartiers à Brooklyn Vision. C'est juste en dessous, en plus. On m'a signalé que Lens s'était fait kidnapper. Le Lens? Il pourrait être n'importe où. Qui l'a enlevé? Aucune idée. Mais si quelqu'un peut le retrouver, c'est bien toi. J'ai déjà fait bien pire cette semaine. Je m'en occupe. Est-ce que tout va bien? Lens! Il s'est fait kidnapper par Midtown! Mais attends, vous avez pas un gros match contre eux demain? Oui, justement. Regardez, tout est là dans ce message. Ah ah. Si tu lis ceci, tu es sans doute un pseudo-scientifique de BV. Pour résoudre notre énigme et récupérer Lance, ou Lens, tu vas devoir te hisser au niveau scientifique de Midtown. Ne t'inquiète pas, si tu échoues, on va juste lui refaire une beauté. Bonne chance. Voici le premier indice. Le bateau a mis les voiles, mais si tu trouves l'angle souhaité, tu résoudras l'énigme posée. Bonne chance. Signé RJ. RJ45. Je suis sûr que ce message conduit au bâtiment de Stuart, mais on n'a pas accès au toit. Vous voyez, on a besoin de vous. Ouais, je jetterai un coup d'œil. Ce RJ. On n'aurait pas dû lui tenir la porte. Ok, donc il y a plein de choses. Attends. Le bâtiment de Stuart? Je me demande pourquoi les gars de Midtown l'ont emmené là-bas. Vous l'avez déjà trouvé? Pas vraiment. Mais explique-moi, pourquoi le bâtiment de Stuart? L'année dernière, un élève de BV a gagné contre Midtown à un concours de robotique organisé par Stuart. On dirait que les élèves de Midtown n'ont pas digéré. Ils auront encore plus le seum quand on aura récupéré Lens. On dirait qu'RJ a laissé un autre message. Ok. Pour trouver Lens, je vais devoir projeter des rayons ultraviolets sur la fresque. Très bien, alors appuyez pour tirer les miroirs. Quel miroir? Ah d'accord. Je pourrais modifier l'angle de ces rayons. Je l'avais même pas vu. Modifier l'angle du rayon. Et comment je fais ça? Alors il me faut... Ah oui, le miroir de ce côté. Ok, faut que je sois un peu plus éloigné, tu vois. Voilà, ça va refléter... Ici, ok. Peut le faire tourner. Bon, comme ça, ça a l'air bien compliqué. La caisse, je peux la casser. Un message caché. Je le savais. Les artistes autochtones, noirs et de couleur, font la paire. Pour trouver le prochain indice, à la bande à la clé. Les artistes. Je vais appeler Heidi. Après tout, c'est elle l'experte en art. Il paraît que tu cherches Lens. Tu l'as trouvé? Pas encore. Midtown s'est surpassé. J'aurais besoin de ton aide. Vois une photo. Bon, la paire. Noir et de couleur. Il y a des fresques d'artistes de couleur à l'angle de Rodney et de la troisième. Par contre, pour à la bande, je vois pas. Merci, Hailey. Je te revaudrai ça. Ton merci me suffit largement, mais toujours partante pour un café. Entendu. Tellement de fresques par ici. Il doit y avoir un autre message caché quelque part. Alors, ça avance? Je vais bientôt retrouver Lens. J'espère. Les élèves de Midtown ont caché des indices dans toute la ville. Je suis entre Rodney et la troisième. Je cherche le prochain indice. Là où il y a la peinture d'Anders à la bande? Logique. À la bande? Ils en parlent dans leur indice. C'est qui? Le prodige des arts de BV qui est parti faire de la recherche au musée de la vie à Paris. Peut-être que les élèves de Midtown sont juste jaloux de nous. Alors, admettons, celui-là, je l'amène à gauche. Ça va refléter. Ouais. Celui-là, faut l'amener à gauche. Jusqu'à présent, tout va bien. On a un peu de réussite, je pense.
D'accord. Bah du coup là c'est pas bon par contre hein. Je pense qu'on est ok pour dire que là. Ouais, donc lui tu le tournes. Ok. La concurrence est rude, mais essaie de rester sur tes pattes. Dans la région, c'est le plus fort qui l'emportera. Hey Ellie, j'ai un autre indice. Je t'ai envoyé une photo. Concurrence dans la région. Si ça renvoie vers une autre fresque, tu peux essayer vers North Williamsburg. Y a pas eu un tournoi d'échecs entre BV et Midtown récemment? Oui, compète régionale. Ça a fini en ex-echo. Ah, voilà qui explique le comportement de Midtown. Je vais aller voir. Sérieux, deux fresques? C'est pas vrai. Midtown veut vraiment pas qu'on retrouve Lens. Heureusement que Brooklyn Visions peut compter sur Spider-Man. Des drapeaux rouges et bleus. Il y aurait deux trajectoires. En effet, je vois qu'il y a une flèche rouge, donc à mon avis, ça faut le tirer par ici le laser. Attends, je vais en face, je vais au milieu. On va réfléchir, mais ça m'a pas l'air bien compliqué quand même comme énigme. Là, faut que ça aille à gauche. Encore. Alors, il y a deux trajectoires. Voilà, donc à gauche, pour le rouge. Ah mais ouais. Et il y a le bleu aussi. Oula, mais c'est grand du coup. Admettons, on veut que ça aille au rouge. Allez, tourne encore, voilà. Admettons si je veux que ça aille au rouge. Donc, là après ça redescend. Et faut que ça termine où? Je suis encore dans le rouge. Attendez, admettons. Là, on fait tourner. On va y arriver. Hein. C'est une question de temps, bien sûr. Ouais. Voilà. Ça doit être le numéro de la rue. Pourquoi le deuxième n'est pas éclairé? C'est peut-être pas ça, alors. Vous pouvez faire pivoter la source de lumière selon une multitude d'angles. Je sais bien... Là, on peut donc l'envoyer sur le bleu. Attendez. Voilà, ça va taper ici. Faut que ça aille sur le miroir. Là, ça sert à rien. Voilà, tatatam. Mais du coup, on peut pas avoir le rouge et le bleu vu qu'il y a qu'un seul laser. On est ok là-dessus, les amis. Bon après on l'a le numéro de la rue donc de toute façon c'est chacun son tour quoi. Bah oui bien sûr. Donc pas de soucis. Admettons. Donc on repasse de l'autre côté. Voilà, tu prends le chemin bleu. Essaye de pas trop chercher compliqué quoi. Bleu bleu bleu. Faut péter la caisse. Allez petite patate. Alors ça arrive jusque là admettons. C'est celle-là qu'il faudra tourner. Non? Eh ben non, parce que ça commence là. Donc c'est celle-là. Ah oui, qui va refléter sur le dessin là-bas. Ok. Main. Comme dans Main Street. Main Street, c'est hyper grand comme rue. Il me faut plus d'infos. Ah, enfin. Bon, voyons voir. Alors, c'est le 1121 Main Street. C'est sûrement là qu'ils retiennent Lens. Mike, dis-moi tout. Je crois que j'ai trouvé Lens. 1121 Main Street. Je peux toujours compter sur toi. Lens? T'es dans le coin, mec? Il est peut-être par ici. Lens le lion. Oh. Il est temps de rentrer à la maison. L'un de vous doit être RG. Spider-Man! C'est pas juste Brooklyn Visions a triché! Wow, Spider-Man? Ça veut dire que BV pouvait pas y arriver sans aide. Merci pour l'entraînement cérébral. Mais je dois le ramener chez lui. Ça donne quoi? Je suis en chemin. Et je ramène notre grosse boule de poils. Lens! Vous l'avez retrouvé? Ils lui ont pas fait de mal? Il a l'air en pleine forme. Il l'avait enfermé dans un garage. Il y avait pas mal de poussière. Il va peut-être falloir le laver. En tout cas, revenez vite. Il nous manque vraiment. Ok, j'arrive.
tu l'as trouvé. Lance. Oh, Lance est de retour. Spider-Man l'a récupéré. Vous avez réussi, Spider-Man. Merci d'avoir amené Lance. Et juste à temps pour le match. Même si le match des anciens est annulé à cause d'une invasion extraterrestre, Lance sera toujours là pour nous remonter le moral. Mauvaise blague, terminée. Alors, est-ce que la mission est finie ou... Y a-t-il encore autre chose? En tout cas, on avance dans le quartier de Williamsburg. Fais voir. Bah pour l'instant, il y a rien d'autre. Hein. Salut Ellie, ça va? Tu as aidé beaucoup de monde à Brooklyn Vision. Il y a plein de gens qui se sont mobilisés pour te faire un petit cadeau. C'est gentil. Mais Spider-Man n'accepte pas les cadeaux. Sauf si c'est des câlins. Ah ah. C'est sympa, les embrassades. Mais je pense que ce cadeau te sera utile. Va faire un tour au jardin sur le toit quand tu auras 2 minutes. Ah, cadeau, les élèves de Brooklyn Vision préparent un cadeau de remerciement. Ah, pour les cadeaux, t'inquiète, je suis disponible. J'arrive. Et là, je pense vraiment que c'est la fin de cette petite mission. Oh. Ils étaient vraiment pas obligés. Ouais, il me va nickel. Ah, mais oui. C'est bien ça. Spider-Man, Captain America. C'est le top. Ça va me manquer quand je serai à l'université. Fierté de Brooklyn. Eh bien voilà. C'est pour ça que je suis content de terminer les quêtes secondaires. Le cadeau, donc, c'est une nouvelle tenue. Et en effet, ça va me servir. Enfin, me servir, non. C'est juste visuel, mais... C'est très cool. Et on passe niveau 49. Elle est pas mal, regardez. Si je vais dans tenue... Elle est juste là. La tenue Boricua. J'aime bien. On a également différents styles. Regarde. En rouge, j'aime pas trop. En blanc, pas mal. Hein. En blanc, pas mal. En bleu aussi, ça va, c'est bien. Et en noir, sympa aussi. Ok. Bon, vous remarquerez qu'avec Peter, j'ai mis le costume Sam Raimi, qui est tellement cool. En tout cas, bah, écoutez, voilà. Je suis très content, les amis, d'avoir fait avec vous la mission Brooklyn Vision. On passe niveau 49. Et c'était la dernière, il me semble, mission secondaire. Et oui les amis, il me semble que c'est terminé. Alors c'est vrai que c'était moins bien, on va pas se mentir. C'était cool à faire, hein. Mais c'était un peu plus répétitif, fallait aller à droite, à gauche, il y avait beaucoup d'allers-retours. Merci encore à tous d'avoir été présents pour cette série, c'est incroyable, votre soutien a été vraiment titanesque. Encore une fois, merci à tous, portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça vous fait très plaisir, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines découvertes et aventures sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il y a à venir, les amis, sur la chaîne? Pour information, il y a le nouveau Call of Duty MW3 qui arrive au début du mois, donc très bientôt. On a également le jeu Robocop que je compte faire également en série. Et puis évidemment, après, au mois de décembre, il me semble qu'il y a le jeu Avatar de Ubisoft qui arrive, hein, une sorte de Far Cry dans l'univers de Avatar. Ça va être incroyable. En tout cas, moi, ça me donne super envie. Bref, il y a quand même encore du très très lourd qui arrive en fin d'année. Merci à tous, portez-vous bien, et moi je vous dis... À très très vite. Ciao ciao.